Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de l'une des races de chiens les plus populaires, le bichon maltais. Le bichon maltais est une race de chiens qui est populaire en Méditerranée puisque la race a été développée en Italie. Le bichon maltais est originaire d'Italie, de Malte et de l'île de Midjet, en Croatie, donc son origine est donc incertaine. Ce sont les Phéniciens qui ont ramené les ancêtres de cette race d'Égypte il y a plus de 2000 ans. Dans la tombe de Ramsès II, on peut voir des statues en pierre en forme de bichon maltais. Le bichon maltais est un très petit chien qui pèse habituellement entre 3 et 4 kg et mesure 25 cm. Cela facilite l'adaptation aux petits appartements et des maisons sans jardin. Son pelage est de couleur blanche, lisse, long et soyeux. En général, c'est un chien très gai et amusant. Il est aussi affectueux et attaché à ses tuteurs. Il peut être parfois un peu nerveux et peut donc souffrir de l'anxiété de séparation s'il passe trop de temps seul à la maison. En bref, il préfère se sentir accompagné. C'est un chien idéal pour tous les types de familles, même s'il faudra expliquer aux enfants comment jouer avec le bichon maltais puisque c'est un tout petit chien fragile. Le bichon maltais aura besoin d'un brossage quotidien pour éviter l'accumulation de saleté et l'apparition de nœuds. Pour garder son pelage en parfait état, il aura besoin d'un bain une fois par mois, où il faudra bien le sécher. Le plus typique est de lui laisser les poils longs et de simplement lui couper les pointes, typique dans les expositions, même si c'est beaucoup préfèrent lui couper les poils de façon drastique afin d'obtenir un effet chiot bichon maltais. Vous allez également devoir prendre en compte le nettoyage quotidien qui comprend le nettoyage des yeux, du canal lagrymal et du museau. Utilisez une lingette humide puis séchez bien la zone pour éviter l'apparition de champignons. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'exercice physique et avec 2 sorties par jour d'une heure en tout, ce sera amplement suffisant afin de découvrir ses besoins. Enfin, on vous rappelle l'importance d'une nourriture de qualité qui non seulement sera bénéfique pour avoir un beau poil brillant, mais aussi pour qu'il ait une bonne santé. Attention, on vous recommande de faire très attention avec la nourriture faite maison, puisque les bichons maltais sont généralement allergiques aux produits comme le riz ou le poisson. Le bichon maltais est un chien généralement en bonne santé avec une longue espérance de vie. Visitez son vétérinaire tous les 6 mois et respectez son calendrier de vaccination pour vous assurer que votre chien est en bonne santé. Souvenez-vous que le bichon maltais est souvent allergique, il peut aussi souffrir de conjonctivite, mais ça n'arrivera pas si vous lui nettoyez correctement son visage. Enfin, on a indiqué qu'il était susceptible de subir une luxation de la rotule, un problème habituel chez les bichons maltais âgés. Pour avoir un bichon maltais sociable et heureux à l'âge adulte, vous allez devoir suivre le processus de socialisation dès qu'il sera chiot, en le présentant aux chiens, aux gens et à tout type d'environnement. Vous utiliserez le renforcement positif chaque fois que vous aimerez son attitude. Étant un chien très intelligent, il apprendra sans difficulté les instructions de dressage de base et même les commandes avancées. Consacrez environ 5 à 10 minutes par jour pour stimuler son mental et son physique. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu et que vous en savez plus sur le bichon maltais. Vous en avez un, vous ? Partagez vos expériences. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur Planète Animal.